Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à North Downtown, voilà, à l'ouest de l'ouest de l'ouest, près d'Exeter. Du coup, on est au Royaume-Uni et plus précisément, mesdames et messieurs, au Pays de Galles, si je dis pas de conneries. Seul Pays de Galles, non ? Mais bon, ça s'arrête comme ça, le Pays de Galles. Un truc dans le genre. De mémoire. Enfin bref, on est à l'ouest, en tout cas, du Royaume-Uni, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, on va faire une livraison donc de North Downtown à Cambridge. Du coup, voilà un petit peu le programme. Je vous confirme cette histoire de Pays de Galles, Google Maps. Et mon ami, oui, non, ai-je raison? N'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi, le Pays de Galles, c'est ça, en fait. C'est tout ce qui est là-dedans, c'est Swansea, Cardiff... Hereford, est-ce que c'est dedans? Non, Hereford, c'est pas dedans. Donc c'est ça, le Pays de Galles, en fait. Donc, mea culpa, je dis des conneries, on est bien en Angleterre. En Angleterre, de chez Angleterre, mesdames et messieurs. Et du coup, attention, parce qu'on va rouler à gauche pendant cette vidéo. Autre petite chose que j'avais oublié dans mon super stratégie de sondage du futur, c'est qu'en fait, je tourne mes vidéos à l'avance. Donc forcément, dans cette vidéo, j'ai pas vos retours du sondage au niveau de la petite fiche. Parce que oui, je suis trop moderne, j'utilise les fiches et tout. J'ai pas vos retours de ces petites fiches. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que c'est la surprise. Moi, je ne sais pas les résultats de la fiche puisque la vidéo elle est même pas encore postée. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans cette vidéo, si en description, en commentaire, vous voyez le lien d'un sondage, donc pour changer de map, c'est qu'on change de map. Si vous ne voyez rien, c'est qu'on reste sur la MHA. Voilà. Tout simplement, moi je suis inconnu de ce résultat puisque moi je peux pas prédire le futur. Mais vous savez quoi, allez, on va faire une petite prédiction. Madame Irma sort de ce corps, donc on va déjà commencer à rouler. Et du coup, moi, je pense que en termes de résultats au niveau de la fiche... Alors, réfléchissons. La communauté, principalement, ils aiment bien TSM Pro Mode. Après, moi, je pense qu'on devait avoir un résultat type 40%. Ouais, c'est quand même... Non, allez, 35% rester sur la MHA. Et on va avoir 65% changé de map. Je pense. Je pense, voilà. Madame Irma est sortie. D'ailleurs, on sort de la petite entreprise. Je sais pas quoi. Attendez, on va regarder ça. Si c'est John Group. Ça m'a l'air d'être ça. Just Group, je pense. Attendez, on va regarder. Sort de ce sol. Just Group. Ouais, c'est ça. Et du coup, petite remorque Chéreau. Mesdames et messieurs de Christophe, c'est le pack V2 des Chéreau. Voilà, tout simplement. Petite remorque sur elle. Transport. Frigorifique, donc du coup voilà, c'est une entreprise qui fait du transport frigo, mais du coup sur des produits alimentaires, hein, comme vous pouvez le voir, et on transporte du coup 21 tonnes de fraises, mesdames et messieurs. Du coup voilà, je vais en revenir à ma madame Irma. Donc je vous disais, je pense qu'on va avoir 35% de rester sur la MHA et on va avoir 65% de changer de map. Après, par contre, en termes de changer de map, là, mettons si le sondage gagne et du coup vous avez un sondage pour changer de map dans cette vidéo, enfin si le sondage gagne, si le parti en fait, si vous voulez, pour changer de map gagne, et que vous avez un sondage sur quelle map dans cette vidéo, je pense, je sais pas, en vrai je sais pas ce que, je sais pas, je pense qu'il y a moyen que la promo gagne, voilà, Madame Irma ne se prononcera pas là-dessus, je me prononce pour les fiches, mais là... Si jamais du coup comme je le prévois, écoutez, vous êtes plus nombreux à vouloir changer de map, ouais, je vois pas quelle peut être l'issue du sondage de map, quelle map peut remporter ce sondage, je ne vois pas trop mesdames et messieurs. De toute façon, hein, on n'est pas pressé, on verra bien, mais voilà. Du coup, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule si en effet il y avait 70% de personnes qui voulaient rester sur la MHA en mode ah t'es trop nul en pronostic, voilà. Vous avez le droit, j'avoue. Mine de rien, nous on part quand même vers Exeton ou Exeter. Non, c'est Exo. C'est marqué quoi? Exeter. Ouais, non, c'est Exeter. Très bien. Oula. Oui, excuse-moi. J'avoue, collègue, j'ai forcé. Ah, en plus, tout ça pour ça, ouais. Excuse-moi, là, je. Ouais, mais à coup pas. Yep. C'est bon. Nickel. Parfait. Petite pub diamondblackfan.org. Give blood and save a life. Ok, donc c'est certainement une association pour du don du sang, etc. Voilà. Donnez votre sang et sauvez des vies. C'est beau. Du coup, à droite, on va Plymouth. Tout droit, on va vers Exeter. Bah, nous, on va passer dans Exeter. Je crois. Peut-être.
peut-être pas en fait, non. On va redescendre au sud. Attendez, attendez. J'ai vu une petite route qui m'a l'air assez sympa. Attendez, je suis pas sûr, mais... Ouais, on va passer par ce type de petite route là. Plutôt que de faire un truc comme ça, on va passer par là. Ça a l'air d'être sympa. Allez. On va faire les petits détours pour découvrir des endroits de la map un petit peu sympathiques. De toute façon, on arrive dans 7h13. Donc bon, c'est nickel, mesdames et messieurs. À peu près comme l'autre vidéo où je pensais pas finir la livraison, mais en fait, c'est bon. Quand je vois indiquer 7h sur mon GPS, c'est que ça rentre dans 30 minutes. Donc ça, faut que je m'en souvienne. 7h, ça se fait en 30 minutes de vidéo. Donc nickel. Du coup, voilà, petit paysage anglais, mesdames et messieurs. Alors, c'est vrai que j'ai installé donc le fameux mode octobre, je sais pas trop quoi. De mémoire, c'est un mode graphique et visuel. Donc, pour. Qui met normalement une version donc du coup d'octobre. Putain, faut que je freine. Aïe. Putain, mais quel con. Mais quel con, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Oui, j'ai mis ce mode graphique. C'est vrai qu'il est plutôt sympa. Après, j'ai pas vraiment l'impression qu'on soit en octobre quand même. J'ai pas vraiment l'impression, il y a encore pas mal de feuilles aux arbres. Donc je vais peut-être changer ou... J'ai pas envie de prendre le Early and Late and, Autumn Mode parce que je sais qu'il est déjà extra. J'ai envie de tester un autre truc. Donc je vais essayer de regarder s'il y en a pas d'autres. Sinon, proposez-moi-en, voilà, des modes graphiques, donc automne, tout simplement. Parce que moi je suis un petit peu... C'est pas que je suis un petit peu perdu, mais je suis un petit peu déçu par celui que j'utilise. Ou alors il marche pas parce que c'est ça prend directement la MHA. Et enfin, en fait, c'est la MHA qui décide des graphismes. Peut-être. Hein. Peut-être aussi, tout simplement, mesdames et messieurs. Maybe. Je ne sais pas. Hop. Bon, du coup, on va passer bien dans Exeter pour le coup. Alors qu'on a un feu un petit peu plus loin. On va prendre à droite. On va reconduire en manuel comme dans la dernière vidéo. J'avais bien apprécié. Hop. Nickel. Et puis il faut pas qu'on fasse d'accident parce que nos fraises elles vont peut-être tout écraser sinon. Mesdames et messieurs. Et ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. On va prendre une petite photo au passage. C'est vrai que des fraises écrasées c'est pas tip top quand même. C'est pas tip top. J'aimerais bien en prendre une de derrière. Oh là là, un camion rose. Et d'ailleurs, dans l'épisode 59, je vous avais parlé d'un camion violet, mais en fait, non, ça, cette couleur, c'est rose. En fait, j'ai pensé très fort rose et je l'ai pensé tellement fort que j'ai dit violet. Voilà un petit peu comme l'excuse que je m'attribue pour cette petite erreur. Hop, voilà. Violet. Hop, oula, bah ici, on a une intersection assez étrange avec pas mal de feu. Et une petite erreur de mapping ici, hein. On peut voir qu'il faut, on va pas trop s'approcher de ce trou parce qu'on risquerait de finir, je sais pas trop où, en dessous de la map. Aïe, mais putain, mais... Il a la priorité ou c'est moi? Mais non, c'est moi qui ai la priorité, il me coupe la voix là-haut. C'est moi qui ai la priorité. Non mais, parce que du coup c'est priorité à gauche. Ouais, non mais dans tous les cas ils coupent ma voix, c'est moi qui ai la priorité. Mais putain, mais oh, ils sont chiants, ils ont tous décidé de défoncer mes fraises ou comment ça se passe? Les gars, faites un effort s'il vous plaît. Les bonnes fraises du pays là. Je vous jure. En plus du coup on est en récolte un peu tardive là parce qu'on est en octobre, on transporte des fraises. Donc bon, c'est récolte assez tardive mais bon. Oh là, dame avec sa poussette. Sans rire quoi, faites attention un peu, non? Je vous jure. Alors que du coup on est limité à 30 miles, donc mon compteur il est pas en miles, hein, là pour le coup il est bien en kilomètre heure. Donc bon c'est... Ah oula, attention, là on a un petit ralentisseur des familles. Le petit type de ralentisseur qui fait bien mal si vous voulez trop vite dessus. Oh là là, ça va me défoncer mes fraises. Regardez les pauvres fraises là. Oh là là. C'est vraiment horrible les ralentisseurs comme ça, hein. C'est vraiment les pires. En plus on en a encore un au bout, oh là là. On avait pareil, c'est sur l'Italie map, il y en avait. D'ailleurs, en parlant d'Italie, on a des screens qui parviennent au fur et à mesure de SCS Software, de leur futur DLC Italie, donc qui sortira en fin d'année. On n'a pas de date, mais ça sortira en fin d'année, donc c'est cool, il y aura du contenu en fin d'année. Donc voilà ce qu'ils nous ont dit. Voilà, on va louper le feu vert, en plus avec leur connerie. Avance. Oh là là. On n'est pas arrivé, hein. On n'est pas arrivé, mesdames et messieurs, moi je vous le dis.
Hop. Allez, mets le frein parking. Oh, sympa son petit ensemble avec le Scania. Spectra logistique. Point check. Point CZ. Remorque Schwarzmuller en plus. Sympathique. Yep. Nice, ça y est, on a le feu vert. Peut-être un petit peu tard les rapports sur ce semaine. Attention, on a le petit panneau de travaux comme vous pouvez voir. On va faire gaffe. Et en effet, ouais, il y a des travaux. Circulation alternée. Yep. Qu'est-ce qu'ils nous font ici? Ils sont en train de nous construire une aire de je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils nous font. Je sais pas ce qu'ils nous font ici. Oula, attention, parce que là... Oh là là, mais les fraises, je sais pas dans quel état vont arriver les fraises, mesdames et messieurs, mais là, on a tous les malheurs du monde, je crois. Voilà. On est allé défoncer. Mais sauvez les fraises, mesdames et messieurs, sauvez les fraises. La montée, on va rester en 9ème parce que sinon on va pas la finir la montée. On a combien de tonnes de fraises d'ailleurs? 21 tonnes de fraises. Oh là là. Je vous jure, on est pas arrivé. Hein. On va même passer la 8ème, je pense, parce que là il galère, coco. On va même mettre le petit warning des familles. Oh là là, la ventilation, le bazar. Il y a un ventilateur qui tourne à plein régime. Je vous jure, on va exploser. Hein. On va exploser. Oh là, puis l'autre il va monter comme ça là. Motivé. Motivé, motivé. Pas évident, il est pas arrivé au bout de ses peines hein, le TG. Hein. Moi je vous le dis, 430 chevaux. Oh là là. Pareil, les collègues qui galèrent derrière. Bon, l'autre il a quand même un peu réussi à doubler le collègue, mais il galère quand même pas mal. Hein. Hop. Allez, nice, ça y est, un peu de descente là, ça va lui faire du bien. Ah, j'ai bien fait de passer par ce petit chemin. Hein. Je suis très content, le petit chemin un petit peu vallonné et tout. Je suis bien content de l'avoir emprunté. Hop. Nickel. Oula, mais là on a un pont. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, mais il y a un de ces mappings dans cette zone. C'est oufissime. Oh là là, le pont à l'ancienne là, comme ça. Oh, c'est stylé, hein. C'est stylé quand même, hein. C'est bien, bien stylé. Je suis hyper content d'être passé par ce petit chemin. Toi, tu fais demi-tour, ok. Lui, il s'est dit trompé de route. Hop. Nickel. Bon, ça nous aura pris 107 ans, ce chemin à la con, là. Et au final, on a perdu une heure dans ce coin. Donc, t'es même pas sûr qu'on arrive à finir la livraison en fait. 7 heures je pense que c'est un peu trop long parce que... Ah oui c'est vrai que j'avais fait une coupure. Enfin il y avait eu un moment où la vidéo elle avait été coupée. Donc en fait je pense que c'est 6 heures, ça fait 30 minutes je pense, ouais. Peut-être bien, peut-être bien. Attention, ralenti copain. Nickel. Hop. Allez faut avancer là. TGA là faut carburer. Parce qu'on est attendu ce soir. Et là on arrive à 19h. On va être cric-crac niveau temps là. Si on continue à se traîner. Donc là faut carburer copain. Notre coupure elle est dans 8h donc c'est bon. Mais là faut y aller.
Là, faut y aller. Je sais que c'est pas évident. Mais faut quand même y aller un petit peu. Voilà, nickel. Il y a un collègue avec une double remorque dedans. Devant ou c'est un tandem? Non, c'est un tandem. Non, c'est un tandem. On va arriver sur l'autoroute. Ce qui est bien, c'est qu'en Angleterre, pareil, les limitations, elles sont un petit peu plus... plus sympas. Oula. What? Oh la vache. Quand vous mettez le... le régulateur de vitesse, enfin le ralentisseur hydraulique à fond, mais en fait faut pas le mettre à fond parce que sinon ça vous fait drifter. Faut le mettre progressivement et avoir bien le contrôle du bazar. Mais même ça, dans la dernière vidéo, j'avais été assez surpris du délire quoi. Ça vous fait drifter, un truc de ouf. Allez, tu montes là, t'as pris ton élan. Nickel, allez, on y est presque. Allez, c'est bon. Allez, let's go. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, voie de droite? Oh là, waouh. Oh, la Aston Martin. C'est une Aston Martin? Putain, mais le véhicule de police, trop trop stylé. C'est abusé. Allez, collègue. Enfin, collègue. Petit camion, je te repasse en dixième parce que t'as l'air de galérer. Je vais te donner un petit coup de pouce. Mais là, faut carburer, là. C'est pas possible. Faut absolument carburer. Et hop, c'est limité à 97 km/h pour moi. Donc parfait. Allez, dans la petite descente là, tu me fais une petite accélération. Et est-ce qu'on va rester longtemps sur l'autoroute? Ouais, j'ai l'impression, nickel. Ça nous permet d'avancer là. Allez hop, tu sais quoi, mets-toi à 100. On sera en excès de vitesse de 3 km/h. C'est pas grave, on dira rien. Par contre, toi, s'il te plaît, tu te rabats. Oh là, les gens, ils font des trucs qui servent à rien. Et qui a la ralenti comme je sais pas quoi dans le virage. Et let's go. Let's go, let's go. On fonce. On fonce, on fonce. J'espère qu'on ne sera pas jugé sur la qualité des fraises. Parce que là, 2% de dégâts à la remorque, voilà. 2% de dégâts, 2% de 21 tonnes. Si je le fais fou, ouais, ça veut dire que si je fais un petit calcul de tête, ouais, non, en fait, j'ai la flemme de faire le calcul. Mais je pense que si, mettons, on prend 20 tonnes. 20 tonnes, on a 2%. Bah. Ouais, ça doit faire un truc type. 50. 50 kilos, je pense. Bah non, parce que 50. Non, ça doit faire plus. Non, non. Non, non, c'est ça. 50 kilos. Je pense que c'est ça. Je pense que 20 tonnes, 2% de 20 tonnes. C'est 50 kilos. Si je refais le calcul. 10 pour avoir une tonne. Fois 2. Ou alors non, non, c'est même 100 kilos. Ouais, c'est 100 kilos. En toute logique. Hein. En toute logique. 100... Bah oui, oui, oui. Bah non. Non, en fait, ça fait x10. 10. Non, 100 kilos, c'est 5%, je pense. Putain, je suis perdu, je suis nul en maths, les gars. Je suis nul en maths, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Par contre, là, je vais serrer à gauche, tu veux bien. Ah, bah non, en fait, y'a pas besoin. Hop. Petit échangeur assez stylé, quand même. Hein. Je tiens à le dire que là, on est sur du lourd. Terme d'échangeur, c'est même le boxon totalement. Alors regardez, il y a des routes de partout et toutes ces routes là on peut les prendre, hein, de où on va là, l'échangeur de Bristol qui est bien bien stylé et je suppose en plus qu'il est réaliste par rapport à la réalité, donc ça c'est nice. Tu m'excuseras, j'ai pas le temps. Le mec totalement pressé, vous savez. Oh là. Je suis à 110 km/h, faut se calmer quand même, Billy. Ouais, vous savez, on est sur un ancien camion, j'ai enlevé la bride et tout, voilà, on est vraiment dans le futur. Par contre, on va se calmer un petit peu parce que on a quand même un petit radar des familles qui me limite à 80. Keep your distance, ça c'est stylé, le petit PMV, c'est nice. C'est nice.
Il est comment le c'est le passage là? Oui, non, si. Ok. Ouais, si, c'est bon. Nice. J'ai personne. Let's go. Let's go, let's go. Allez, maintenant on arrive dans 4 heures, c'est bien, c'est bien. Là on a été efficace en 5 minutes, on a pris 3 heures. C'est plutôt nice. On est efficace, là je vous dis. Il faut que ça livre. Hein. Il faut que ça livre. Hop, on va se mettre à 100 km/h. Là je vous dis, on s'arrête plus là, clairement on s'arrête plus. On est lancé. C'est fini. Le TGA là il va cramer. On va arriver, le bazar il va. Il va prendre. Clairement, on le malmène. Hein. J'avoue, on le malmène un peu. Mais bon, c'est le petit TGA, voilà, le petit TGA. Il a de la patate quand même, hein. 430 chevaux, c'est pas rien non plus. Hein. Même si ça peut paraître peu, c'est... Voilà, il y a quand même un petit peu de réserve, quoi. Il y a un peu de réserve. Hop. Nickel. Michel Schrom. Bon, on rattrape en tout cas les camions devant. En même temps, on est en excès de vitesse de 3 km/h. Bon, après, 3 km/h, c'est pas grand chose en soi, mais ça permet quand même de les rattraper. Surtout que eux, à mon avis, ils doivent rouler à 90. Ils doivent pas rouler à 97 km/h, je pense. Ils doivent être à 90. Voire même un peu moins en plus. Voire même un peu moins. Là, je perds un petit peu de vitesse parce que. Parce que voilà, le TGA. Mais ouais, c'est une Aston Martin, son bazar. Ou c'est une Jaguar. C'est une Jaguar. Non, c'est une. Je sais pas. Je sais pas. Ah. Le drame, ETS2. Ouf. Oula, 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 oula. J'ai cru qu'on avait perdu ETS2, c'est bon. On l'a repris. Copain, c'est bon, t'es là. Oui, c'est bon. C'est bon. Petit camion DHL. Mais non, en fait, c'est une Jaguar XF, je crois. Ouais, je crois que c'est une Jaguar XF. Allez, salut le copain. En plus, lui, il a son volant à droite, donc on peut limite faire Cosette, regardez. Hop. Hey, ça va? Ouais, ça va, Micheline, et toi? Ouais, bah tranquille. Tranquille. Moi, bon, je te laisse, je trace, hein. Ouais, je suis un peu pressé. Le mec hyper dangereux, vous savez. Allez, c'est parti. Au revoir, Micheline. Hop, je me rabats devant toi. Par contre, là. Non. En fait, lui, 97, il n'y a pas besoin de freiner. What? Oh là, mais ça lag par ici. What? ETS2? Punaise. Alors, en ce moment, c'est vrai que la dernière fois, on a perdu OMC2 sur les deux dernières vidéos. Là, on perd ETS2, mais décidément, faut vous réveiller, les gars. Hein. Faut vous réveiller. Wake up. C'est quoi cette petite pub qui a l'air bien marrante? C'est une pub Skoda, non? Ou non, c'était une pub Land Rover. Allez, qu'est-ce qu'il fout là? T'es en descente, mais appuie sur le champignon. Oh là là, dans une pipe en bois là. Ou alors c'est un faux plat. Là, c'est un faux plat, je pense. Ça monte un petit peu. Mais là, derrière, il y avait une descente là. Mais qu'est-ce qui. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait le TGA là, je vous jure. Vous savez quoi? On va y aller en rapport 11. Comme ça, on va consommer à donf. Au moins, il va accélérer le copain. Voilà. Là, il accélère, là. Je fais pas 112 quand même, parce que sinon tu vas cramer. Voilà. Oh là là. Arrivé dans 3 heures. On est au niveau de London. On arrive sur Londres. Là, par contre, je vais peut-être le repasser en 11. Non, ça va, il tient. Parce que là aussi, on a un espèce de, faux plat. Là, ça a l'air de descendre, après. Mais c'est quoi c'est? Mais arrêtez d'acheter des voitures roses, des camions roses, arrêtez! Là, c'est rose fuchsia en plus, c'est pire que le. On avait un peu rose, un rose haut pour le camion qu'on a vu en début de vidéo et de l'épisode 59. Ah, arrêtez, à un moment les gars, faut arrêter. ETS2, s'il te plaît, t'arrête aussi. Hein. Oh là, insupportable. Faites des jeux de simulation, qui disait, c'est bien optimisé. Faites des jeux de simu. Mais il a... c'est bon, il avait un camion rose lui aussi derrière là. Dans son transport de je sais pas quoi là. Je sais pas ce qu'il transportait, des espèces de. Je pense que c'est des palettes, il y avait une grue. Et ils achètent tous des. Mais même ça, non, mais non, je suis désolé. Non, j'aime le vert, mon logo est vert, mais non. Mais
vapeur verte, non. Enfin, à un moment, je suis désolé, non, c'est moche. Voilà, c'est moche. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire, c'est pas beau. Petite pub Guess, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous a sorti, lui, comme couleur? Ça, à la limite, ça passe. Déjà, ta voiture de base, elle est moche. Bon, alors, si tu choisis une couleur moche, ça va, ça passe encore. Là, ça passe. Encore, en vrai, ça passe. Ça passe. Marron, un peu chocolat, comme ça. Bon, c'est un peu space, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Voilà. Mais lui, il a quoi, lui? Ouais, bon, ça, c'est une C3. C'est une C3, on va pas juger, parce que de 1, c'est français. Et de 2, les C3, bon, c'est un peu comme les Fiat 500. Il y a des couleurs un petit peu exotiques qui sont volontairement choisies pour ces petites citadines... ces petites voitures citadines, bon, on va pas juger. Hop. Attention, parce que toi, je vais te rouler dessus. Ça, je suis désolé, voilà, t'as une Mercedes, tu la prends pas en... Je sais même pas ce que c'est comme couleur, c'est un mélange de marron, de violet, de rose. Lui, il a un X1, il le prend vert. Non, mais les gars, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Par contre, ça va ralentir ici, donc on ralentit un peu, parce qu'il y a pas mal de trafic. Voilà, ça, à la limite, je valide ton Mercedes break blanc, là, comme ça, ça passe. Je l'aurais pris 12 fois en noir, mais ça passe. Là, non, une voiture rose encore. C'est laquelle, ça? C'est une Fiat, non? C'est une Fiat Punto. Ouais. Bon, bah, c'est moche, une Fiat Punto, donc bon. Voiture moche, couleur moche. C'est pas beau, une Fiat Punto. Par contre, il y avait une voiture qui était bien classe. C'est la Abarth. Avant, mais ça, elle se fait plus maintenant. Elle se faisait il y a quelques années. C'était la version Abarth de la Punto, qui était bien stylée en blanc. Moi, je la trouvais. Je trouvais qu'elle en envoyait quoi. Voilà, lui, avec son DAF bleu, il a tout compris aussi. Bon, on va arrêter de critiquer. Écoutez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Moi, plus tard, j'aimerais une voiture rose. Ne me jugez pas. Mais quand même de telles couleurs. Jazzycat. Jazzycat, il s'est dit, tiens, si on mettait des voitures comme ça. En vrai, heureusement que... Voilà, enfin, que... Comment vous dire ça, ces voitures sont ultra, ultra stylées. Donc bon, après, je pense que c'est lui, il s'est dit, voilà. C'est vrai que IRL, bon, tout le monde a des voitures noires, blanches, grises. Donc bon, ajouter un petit peu de diversité, ça peut être pas mal. Et du coup, je pense que c'est ce qu'il s'est dit et c'est vachement bien, quoi. Vachement bien, mais bon, pour le coup, ça donne des mélanges assez marrants. Voilà, on ne dira pas plus, mais ça donne un truc assez marrant. Toi, ouais, Bentley crème. Bah, déjà, si j'ai une Bentley, je suis content. Après, crème, c'est pas trop mal pour une Bentley. Par contre, on va pas trop s'exciter parce qu'on va se faire choper par la police londonienne. Je vais pas comprendre. On reste ici, nous, on suit Cambridge. Rappelons-le. On est dans 1h37, on est à 28 minutes de vidéo, c'est bien, on aura bien appuyé sur le champignon. Mesdames et messieurs, on va limiter un petit peu la casse, parce que là je me suis dit, quand j'ai vu le temps, j'ai vu 6 heures de route, un quart d'heure de vidéo, j'étais en mode, attends, vidéo de 50 minutes, là, comment ça se passe? Non, non, heureusement, on a pris l'autoroute, là, et on a bien, bien carburé sa maman. Par contre, là, je les connais, les petites zones de travaux, voilà, avec le petit radar en prime ici, qui te flash et qui te défonce. Vous avez pareil en multi, c'est limité à 80 sur ces zones-là. Et même en entrée de ville, des fois, vous avez des zones limitées à 48 km/h, enfin 30 miles. Je peux vous dire que les radars comme ça, jaunes de chantier, vous les voyez pas. Parce que déjà, bah, de base, vous voyez des travaux de chantier, donc vous voyez un panneau jaune, c'est pas plus flagrant que ça. Et tant que vous ne serez pas fait flasher, vous l'aurez pas remarqué. Mais moi, je peux vous dire que je les connais maintenant. Et ils pardonnent pas eux. Eux, ils pardonnent pas du tout. Il y en a notamment en entrée de Plymouth, de mémoire. Ouais. De mémoire, c'est au niveau de Plymouth où il y a une zone de travaux. Qui est limité à 30 miles en entrée de ville et vous arrivez comme des balles à 80 km/h, vous arrivez c'est 30 miles donc 48 km/h. Voilà, une fois que vous êtes fait flasher, vous parlez un peu chinois quoi. Voilà, voilà. Hop. Et nous on sort ici du coup pour remonter via une petite autoroute sur Cambridge. On va se mettre un petit ralentisseur. Hop. Histoire de. Mais c'est vrai qu'on a, ouais, on a quelques lags. Tant que ça crache pas, ça me dérange pas plus que ça. Parce que sinon c'est plutôt fluide. Vous voyez là la vidéo, elle est
elle est fluide, quoi, clairement. Mais si on a quelques lags de temps en temps, ça me dérange pas plus que ça. Je préfère avoir quelques lags comme ça et que ça soit fluide le reste du temps que ce soit tout le temps un petit peu en lag pendant toute la vidéo. Allez, accélère, petit man. Il ne te reste plus que quelques kilomètres. Après, tu pourras rendre l'âme, cramer. Tu pourras faire ce que tu veux. Mais d'abord, j'aimerais livrer mes pauvres fraises. Parce que là, voilà, je vous dis même pas l'état du délire avec deux accidents. Alors, je me souviens plus du premier accident. Il s'est passé quoi? Ah si, j'ai perdu le contrôle du camion. J'ai perdu le contrôle du camion. On s'est tapé la glissière. Et le second, c'est un refus de priorité de la part d'un véhicule IA. C'est pas de ma faute, le second. Le premier, ok. Le premier, je suis d'accord. Mais le second, non. Le second, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Yep. On va repasser en deuxième, là, parce que... Pour la petite montée. Voilà. Pour un petit... Non, c'est un Starliner. Je pensais que c'était un Skyliner qu'on avait, mais non. Yep. Nickel, là, on peut repasser la douzième. Remettre le régulateur. Voilà, il tient, hein. Il tient le copain. Par contre, on a tellement vidé la jauge de carburant. Écoutez, là, on a perdu un quart du plein, là. C'est oufissime, par contre, comment il consomme, le bordel. On consomme 52 litres. Regardez, on va mettre la consommation. On va pas mettre le régulateur. Enfin, l'affichage du régulateur. On va mettre la consommation. On est à 52 litres tous les 100 km. Si on roule à 90 km/h... Ouais, bon, on est aussi à 52 litres. Mais, ouais. Voilà, autant vous dire que là, si je repasse en 11e... ah non, on bloque à 52 litres. C'est le max 52 litres. Ah non, mais c'est parce que... Excusez-moi, voilà, faut que je désactive le régulateur. Qu'est-ce que c'est que cette consommation bizarre, là? Ah, mais c'est peut-être une consommation moyenne et pas en temps réel aussi. Peut-être ça, ouais. Ouais, c'est ça, dommage. Dommage, moi j'aurais bien voulu voir la consommation en temps réel, parce que généralement vous avez ça, vous avez la consommation en temps réel, la consommation moyenne, et ensuite le nombre de litres qui vous reste, mais là on a que la consommation moyenne. C'est dommage, je voulais tester un petit truc, mais bon, du coup on consomme 52 litres tous les 100 km. Voilà, autant vous dire qu'une voiture sur l'autoroute, elle consomme aux alentours de 8 litres aux 100 km. Donc on est sur un score qui est plutôt sympathique, tout comme le coucher de soleil qu'on a devant. D'ailleurs, on va prendre une petite photo parce que plutôt sympathique lui aussi. Hop. Oh là, le bazar, comment il est penché. On va foutre les fraises sur le bas côté, vous allez voir, ça va être magique. Hop. Ah, c'est beau. C'est beau quand même. Hein. C'est beau. Hop. Je sais pas trop moche. Oh là, mais comment ça tremble? Mais ça tremble d'un truc de ouf. Hein. Ça tremble comme jamais. Donc d'un côté, j'ai peut-être pris le virage un petit peu vite, même certainement. Mais ça tremble pas mal. Ça ballotte. Moi, je vous dis que les fraises là, voilà, je. On va bien voir ce que... On verra, on suivra, on aura un suivi, puis on verra ce que... les retours des consommateurs. Les fraises, elles vont arriver comme à Carrefour au supermarché. Vous en avez un quart qui sont pourris, un quart qui sont tapés, et ensuite un quart qui sont pas mûrs. Et voilà. Et en tant que consommateur, vous vous battez pour le quart restant, qui est à peu près potable, quoi. Voilà. Ah, speed caméra, là encore on va se faire avoir. Vous voyez, c'est 30 km/h, c'est 30 miles, 48 km/h. Le petit radar, il est là. Je les connais bien, les radars anglais. Maintenant par contre on va freiner quand même, parce que sinon... Voilà, hein, on a failli se faire prendre une prune. On était à 60 km/h. Hop. Nickel, et du coup on va livrer là. On va livrer où? On va livrer à Carrefour, ok, bah nickel. Ah bah justement, bah voilà, je vous parle des fraises de Carrefour, bah voilà, enfin là, je suis désolé. Là, la théorie n'est plus une théorie, c'est de la pratique, mesdames et messieurs. Voilà, livreur de fraises pour Carrefour Planète. Voilà, je suis désolé, mais... voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dans la vie d'un chauffeur routier, les fraises, depuis le champ jusqu'au supermarché, vous avez tout leur trajet.
Donc elle se tape une fois contre une glissière de sécurité, elle rentre en collision dans une voiture, elles se font balloter dans un virage. Par contre ça lag un truc de ouf. Hein. Elles se font balloter dans un virage, voilà. Voilà le trajet de vos fraises avant de les acheter en supermarché. Comme quoi, autant aller les chercher directement en vente directe du producteur, parce que bon, ça vous évitera toutes ces petites étapes qui peuvent paraître, voilà, qui ne sont pas anodines lors de la consommation. Voilà ce que je dirais pour ma défense. Après, voilà. Après, acheter des fraises quand même de Carrefour, parce que sinon, moi, j'ai plus de travail. Hein. Si j'ai plus de fraises à livrer, bah, plus de travail, donc c'est pas drôle. Mais voilà, je vous préviens juste de comment que ça se passe. Voilà. Comment que ça se déroule. C'est honteux. C'est honteux, mesdames et messieurs. Hop. Oh, petite remorque Carrefour Market, ça par contre c'est pas honteux du tout. Et en plus ça m'a l'air d'être une Chero. En plus, remorque Carrefour Market qu'on avait déjà emprunté sur l'Italia Map. Ça a l'air bien sympa. Hop. Est-ce que c'est une Chero? Ouais, c'est une Chero, nice. C'est stylé, hein. C'est stylé, c'est stylé. La puissance de TS2, gros GG Christophe, c'est magnifique ce que tu nous fais, tu nous vends du rêve, clairement. Et pareil pour le mapper de la MHA, c'est hyper stylé. Hyper stylé. Pareil aussi pour Satan, hein, 1990, qui fait le Real Company logo, donc les entreprises avec les vrais noms. Mais ça c'est stylé, voilà. Je suis désolé de vous avoir montré le trajet de vos fraises. Donc de Just Group, voilà, du producteur. Directement jusqu'en magasin, voilà comment ça se passe. Puis après, voilà, je vous fais pas le délire du cariste. Hein. Voilà, je vous montre pas comment ça se passe dans la palette parce que là, sinon, voilà, là, ça va vous dégoûter à vie, je crois. Hop. Ouais, vous ferez gaffe, les gars, s'il vous plaît. Mes fraises, elles sont nickel. Ouais, je vous parle. Mes fraises, elles sont nickel, donc vous évitez de vous empaler dans un mur avec le chariot élévateur. Ils en ont rien à foutre. Bon, j'arrête parce que je pars un peu loin des fois dans mes délires. Voilà, je pars tellement loin que bah, la remorque elle suit pas. Voilà, faut que j'arrête les blagues aussi parce que c'est un peu relou. Et puis on va se laisser là pour cette petite vidéo. Voilà, après cette histoire de Carrefour, on arrive enfin à la destination à Cambridge. J'bung. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, pas bien, très bien, magnifique, excellent, satisfaisant. On a quand même perdu 1500 pour 2,2% de dégâts. Ça pique. Ça pique, ça pique. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur ETS2 vous aura plu. On va réessayer le truc stylé que j'avais tenté de faire la dernière fois. Et peut-être que ça va passer. Oui, ça passe. Non, ça passe pas du tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez. Salut tout le monde. Et ça passe pas encore. Putain, mais il est chiant ce modeur. Hein. Il est chiant. Attendez. Oula, déjà je suis en contresens. S'il vous plaît, j'aimerais faire un truc un peu stylé pour la fin de la vidéo. Voilà. Allez. Salut tout le monde.